Le mal qui ronge le roi Emeric n'a rien d'une coïncidence. Vermina monte au créneau, elle tente de s'emparer du pouvoir en s'en prenant directement au roi. Cela dépasse mes compétences. Je resterai aux côtés du roi, mais nous devons demander l'aide d'Azura. Vous devez vous rendre au sanctuaire d'Azura, au géant éploré. Il a été profané, et j'ai peur que les rêveurs supernaux ne soient impliqués. En tout cas, il faut purifier le sanctuaire. C'est une obligation. Pour purifier le sanctuaire, il faut récupérer de la poussière scintillante sur les feux follets des rivages, à l'est. Il vous faudra également de l'azurite, des collines du nord. Purifiez le sanctuaire et priez pour qu'Azura vous guide. Parfait. Vous avez la pierre. Avancez, mortel, et présentez-vous devant mon hôtel. Ah!
Cette poudre ramènera la lumière à mon hôtel. Apportez-la avec la pierre lorsque vous arriverez devant mon hôtel. Suivez les lumières jusqu'à mon hôtel. Terrassez les serviteurs de Vermina sur votre chemin. C'était autrefois un hôtel splendide. Mais le temps et ses imbéciles l'ont souillé. Venez, purifiez l'hôtel. Nous pouvons parler. On se sépare! Vous avez bien agi, mortel. Vous m'avez rendu mon éclat de rêve. Vous avez vaincu les présages de Vermina, et à présent, vous avez purifié mon hôtel. Mais la maîtresse des cauchemars n'a pas encore libéré Adre Tempête, n'est-ce pas? Tout à fait. Et le roi Emeric a été très tolérant envers mes gardiens d'esprit, ce dont j'ai bien pris note. Tout d'abord, Vermina attaque mon abbaye, puis elle profane mon hôtel, et maintenant elle en est là. C'est à croire que ça devient personnel. Oui, Vermina est allée trop loin cette fois, et elle doit en supporter les conséquences. Je vous aiderai, mais vous devriez savoir qu'arracher votre roi à ses griffes sera bien plus difficile que ça ne l'a été pour les autres. Cette fois, elle a envoyé son propre consort, Galtis, la terreur nocturne. Il dévore l'esprit du roi Emeric dans le cauchemar. Et vous empêche d'entrer. Je vais vous donner une pierre de songe pour pénétrer dans le cauchemar. Mais vaincre Galtis, ce sera une autre histoire. Vous avez prouvé votre talent. Voyez ceci comme une nouvelle épreuve de votre force. Je suis sûre que vous parviendrez à me servir fidèlement, une fois de plus. Partez, mortel, allez sauver votre roi. Et apprenez à Vermina qu'on ne touche pas à mes affaires. Thank you.
J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, mais l'état du roi semble se dégrader inexorablement. J'ai bien peur qu'il n'y ait aucun moyen de pénétrer dans ce songe. Il y a quelque chose d'autre cette fois-ci. Quelque chose de bien plus dangereux encore. Une pierre de songe. Fascinant. J'en avais entendu parler, mais je n'en avais jamais vu. On dit qu'Azura avait utilisé autrefois une pierre de songe pour briser la barrière entre le jour et la nuit. Peut-être qu'elle peut également permettre de pénétrer la barrière entre l'éveil et le sommeil. J'ai bien failli perdre la foi. Je ne peux rien faire de plus.